Salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Miel. Coucou Miel. Coucou. Et on est en Focke Wulf 190 à 5. On va voir ce que ça donne. On est vraiment sur la mauvaise map là pour les Allemands. Ça va être assez expéditif vu que eux spawnent en l'air, nous on spawn au sol. Enfin voilà quoi, ça va être assez tendu. On n'a pas dit notre dernier mot. Non, je l'ai pas dit non plus, mais bon, ça va être chiant quand même. Voilà, j'ai réussi à régler le problème des grésillements en attendant le nouveau micro. Ça devrait être un peu mieux, je l'espère. Bah voilà. Mais toi, 17 degrés. 17? 17, ouais. Moi, je suis à 300 km/h, c'est super. En web? Ouais. Ouais, il faudra que je recherche le A4 aussi. Ouais, c'est le même que le A5, mais pour un battle rating bien inférieur. Bon. Ouais. Et vous voulez pas du tout upgrade ce Focke Wulf là, c'est. Moi je viens d'installer l'injection. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est super long à mettre. Et je sais pas, avec le Focke Wulf D13, je suis un putain de bourrin, je fais des putains de parties. Mais avec le Focke Wulf A5, j'ai du mal. Hein. Ou les autres Focke Wulf en général. Hein. Ouais, j'ai pas le D13 pour l'instant. Ah mais le D13 c'est le premier. Ah ouais. Tu dois gagner des masses. Comment? Tu dois gagner des masses. Ah bah oui. Parce que déjà avec mon 0, bah c'est tier 4 aussi. Mon 0 présent, tu gagnes beaucoup. Ah là, regarde, pour te dire à quel point on se fait niquer. Ils sont déjà sur nos bots quoi. Bon faut le dire, ouais. Ils sont beaucoup plus proches. Bonne que nous, mais ouais, plus il spawn à la vitesse, il spawn en l'air, il spawn à presque 1500 mètres d'altitude de base avec de la vitesse. Voilà, enfin voilà, les pauvres allemands, anticipation. Sur cette map, ouais, ça va être difficile. Ah, tout le monde leur rush dessus tout de suite, mais. C'est pas la bonne idée. Non, pas trop. Non. On peut commencer à tourner par contre, hein, ça c'est pas. Ouais. C'est pas comme s'ils avaient 12-20 km d'avance sur nous, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, j'en ai marre d'être malade là. Ouais. Moi je suis en vacances là, je sais pas si tu l'es. Non, pas du tout, non, il me reste une semaine encore, on est les derniers cette année. Ah ouais. Dégoûté. Ouais, j'étais zone 1.
le premier. Ah bah, au gros, quand je serai en vacances, il te restera plus que deux jours. Nah, voilà. Mais qu'est-ce qu'il en fait, les foutez là? Chacun son tour, j'avoue. Mais en tout cas, ça va être bien parce que nouveau casque plus vacances dit normalement pas mal de vidéos hein, si j'ai le temps. Donc, c'est cool. Ouais. Moi, c'est vacances si je prépare le mec, donc. Hein. T'es en terminale, toi aussi? Ouais. Et moi aussi, je suis en ES, moi. Ah, branleur de ES. Non, c'est faux. Oh. Oh. Pas chez nous, en tout cas. Quand je vois votre emploi du temps des ES, il faut pas grand-chose. Hein. Mais en première, nous, il était plus chargé. Enfin, je moi, comprends pas d'ailleurs. Moi, avec mes 36 heures semaine de cours. Ouf. Oui. Non, moi, je dois être à peine à 30. C'est... Bon, je t'avoue que après, niveau cours, hein, je suis resté I2D, donc c'est pas tout le temps compliqué. Mais. Bah. C'est une série comme note, hein. Ouais. C'était I2D, c'est quoi ça? C'est pas pour les laboratoires et tout? Non, c'est sciences et technologies de l'industrie du développement durable. Oh, on est en train de leur faire un cours en vidéo là, t'es pas en train d'abuser toi? Allez, T51, je vais le tuer. Eh bah, va le tuer, moi je galère à grimper. Si j'arrive à le tuer. Parce que là, il est bien mignon, mais tiens, il va descendre, si tu veux. Allez, fais-toi plaisir. Faut que j'arrive à la bête. Allez. Allez, c'est parti, après 7 minutes... Et j'arrive même pas à la battre. Après 7 minutes de touchage de testicules, on arrive sur les ennemis, enfin. Ah mais j'arrive même pas à la battre, celui-là, il est OK. Laisse tomber. Le gars, il devait avoir une plaque de 200 mm comme le tigre. Et... Oh, pas 200, je dis n'importe quoi. 100. Ah mon dieu, il est très long de tir là. Le pire, c'est que j'ai bousillé pas mal de canons sur ce P51 qui n'est toujours pas mort. Ça commence à me pomper. Il est où? De quoi? Le P51? Mais il est descendu, là. Tu vois pas une traînée noire? Non, je vois pas, il y a le nuage. De toute façon, ils sont tous en dessous des nuages, donc il va falloir y aller à un moment ou à un autre. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est le Daloco, là, que t'avais... c'est ça? Ouais. Ah, il est là. Mais le gars, je sais pas, je vais tirer dessus avec une caméra de 20 mètres, t'as l'impression que ça se dérange, quoi. Putain, j'en ai marre d'être malade. Ah, je fais moi par pitié. Viens, il y a du peuple, en plus, il y a un copain Spitfire. Ah, Spitfire. Aïe, comme il est. Ah, il a plus de moteur. C'est pas facile. J'espère que j'aurai une assistance parce que. Ouais, moi aussi j'ai eu l'assiste. Et j'ai rien eu. Ouais, vive War Thunder. J'ai foutu deux coups quand même. Ah oh bah deux coups, si t'as la 6 que si tu le critiques normalement. Ah ouais. Ça je savais pas. Celui-là il est fort moi. Je l'ai touché. Moi je vais faire un... Tu sais comment ça s'appelle quand t'as juste la croix et que t'as pas marqué coup? Un but. Ouais. Allez putain de Fog Wolf. Oh. Il en reste déjà plus que deux. Oh putain, j'ai fait de la merde là. Je pouvais largement l'abattre et je me suis
peut-être abattre un wolf. Putain, le pauvre. Allez. Balle, voilà. Je l'ai eu. GG. Ah, t'es sérieux, toi, tu me tires dessus. Calme-toi, garçon. Okay, tu vas vite te calmer, toi, parce que t'as fait. C'est un aucun cas ton kill. Ok. Tu vas vite te détendre. Bon, et bah écoute, on va enchaîner sur une deuxième partie. Allez, à tout de suite. Okay. Voilà, ce coup-ci on est parti sur Sicile. Ça se passe un peu mieux au niveau des kills que la première partie. Hein. Ouais. C'était un peu galère avec le BF109G2, je me la raconte. Qui essaie de tout. Qui était pas content à la fin de la partie. Enfin bref, ça le dresse. Et là on est avec. Quand même, BF109G6. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Merci Gaijin pour le battle rating, encore une fois. Enfin, pour le matchmaking, surtout. Enfin, bref. On va grimper, hein. Ouais. On a que des chasseurs là. C'est... Ouais. Il y a un beau fighter, il y en a plein. Ouais, c'est des avions de reconnaissance. Ouais. On grimpe. On a rien à dire, quoi, c'est chiant. Ouais, c'est toujours le moment de silence absolu dans les vidéos. Le blanc, le grand blanc. Ouais. Ouais. Oh putain, c'est chiant. Il y a des nuages. Il y en a marre de ces nuages. Non, c'est bien, ça nous protège en quelque sorte. Ouais, moyen quand même. Non, mais c'est vrai, c'est rare les maps où il y a pas de nuages. Je sais pas, de quoi on pourrait parler. Ok. Je ne sais pas. Ah tiens, pas la question. Quel est ton avion préféré dans le jeu et pourquoi? Alors... La 6M5 Co. Racing. C'est mon premium et puis... j'aime bien les zéros de manière générale. Du coup, c'est celui-là. Quoi. En plus, il a un armement plus important que le zéro normal. Avec plus de canons, du coup c'est celui-là. Genre en arcade, une fois j'ai fait toute la partie avec ce zéro-là et 2 skills. C'était pas mal. En fait, ce que je fais avec le zéro, c'est que en arcade je vois des gros pétos d'avions et tout. Je fonce dessus et après je tournoie et je les bute un par. Et toi, Nexus? Mon avion préféré dans le jeu. Je vais pas dire le D13, parce que moi je l'aime bien,
C'est avec lui que j'ai fait le plus de kills, que j'ai passé le plus de temps, mais est-ce que c'est l'un de mes avions préférés? Je sais pas. Le choix est difficile. Bonne question, ouais. C'est toi qui te l'as posé, hein. Ouais, non, moi je te l'ai posé, c'est toi qui me l'as reposé derrière. Ouais, ouais, tu devais d'y attendre. ouais, le D13 que j'aime beaucoup, hein. S'il grimpe bien, il a un armement ultra violent. Trois canons de 20 mm presque tous regroupés dans le nez, ça fait mal. Très très mal. En plus, 250 munitions dans chaque canon, c'est énorme. Bon, après, forcément, il a son petit défaut, c'est que pour Dogfight, bah, c'est galère. Faut vraiment le connaître. Après, un autre avion que j'aime bien. Après, j'ai pas trop d'avions préférés, quoi, j'aime bien. Il y en a que j'aime vraiment pas. Ça, c'est le F8F. Ah, ça, je déteste cet avion, c'est un truc de malade. Même quand tu le joues, ah, je l'ai déjà joué et j'aime pas du tout la façon de le jouer. Quoi. Ah, j'ai vraiment pas un bon le ressenti. Le P40 qui est bien aussi. Ouais, le P40 est marrant. J'aime. Merde. C'est le F2A3 qui est excellent à jouer en disto, en bâtière. Il est vraiment génial. Ouais, le F2A3. Hein? Ah, il est génial le. Le Buffalo. Ah ouais, ah oui, oui. Avec les 4 mitrailleuses de 12-7, il est excellent à jouer. De temps en temps, je vais m'éclate avec. Après, en Ruskov, bon, les Russes, j'en parle pas, j'ai pas vraiment d'avion préféré, j'arrive pas trop à jouer avec eux. De toute façon, c'est des avions bouchés. Chez les Japs, le J2M3. Que j'attends de tester avec impatience pour mon petit vraiment, bien. Vraiment excellent J2M3, hein. C'est mon coup de cœur en ce moment chez les Japs, c'est lui. Hein. Et chez les Anglais, bah, je pense que c'est mon petit Typhoon Premium, hein, avec qui je fais des merveilles. Là, tout à l'heure, j'ai fait deux parties avec lui, j'ai fait 4 et 5 kills. Donc, c'est mon petit bébé à moi. J'en ai des s'il te plaît. J'ai fait une erreur de ouf. Prendre un dogfight, un Spitfire, c'est jamais une bonne idée. Surtout avec un faux wolf. Surtout que moi j'ai tourné trop tôt aussi là, même si je l'ai crit, ça va être tendu. Ok, je l'ai eu. Bon, allez, faut faire du kill. Allez. C'est bon, il t'a lâché ou pas le speed? Ouais, j'ai dit. C'est le LTAV là? The Owl LV, je sais pas quoi. Ouais, LTAV, ouais, c'est lui, je te parle. Ah ouais, bien. Attention, t'as un Mustang qui t'arrive dessus. Je vais essayer de le prendre. Ah, j'ai senti. C'est surtout le speed qui me fait peur en fait. Ah non, je vais le tuer. Ah non! À côté du stank, sinon je l'aurais buté. Ah non, c'est une partie nulle. Aucun kill. Pour faire tuer par un stank, il me semble. Ouais. Ouais, il a l'air cool cet agent. Ouais, très très violent. Ouais. Et j'ai doublé sur lui d'ailleurs. Ah ah! Got it! Hop, je pense que lui. Adieu. Ah bah c'est moi qui ai eu le Mustang, parfait. Merci. Je t'ai vengé. Tu l'as vengé. Et j'ai ce P51 qui est en feu là, je pense que. Voilà, parfait, 2-3. GG, L3 et le 4ème qui t'attend. J'aimerais bien.
que je ne dirais pas non. Il est pas mal ton camouflage. Ouais, bah c'est le camouflage qu'on peut débloquer. Hein. Moi, je l'avais acheté à l'époque que j'étais encore un noob. J'avais acheté, j'ai dépensé 200 golden eagle pour ça. Je t'avoue que je regrette un peu maintenant. Hein. C'est... Ouais. Ça représente combien d'euros ça? 200 gold? Ouais. Oh, je sais pas, c'est pas beaucoup encore. Deux. Enfin bon, pour un camouflage, c'est cher. Ouais, sachant que tu peux le débloquer, tu sais, avec les. Ouais, en faisant des kills, hein. Ouais, voilà. Ah, bien joué, Je sais pas qui. Lever, ciao, Lever KO. Je vais arrêter de tourner pour rien. Je vais faire autre chose. Putain, le PS1 FGD qui est passé un peu trop près de moi. Ah, un Spitfire qui se ramène dans. La partie dans la danse. Ouais. Et là tu plonges sur le P51 et puis tu. Ouais, sachant que j'ai un Spitfire au cul, ça va être assez chaud. Ouf. Ouf. Oh. N'importe quoi, il a tiré à côté de moi, il a tiré à côté de moi. Je le jure, il a tiré à côté de moi. À 4 canons d'un millimètre. Oh, je comprends pas tout. Surtout, il avait pas l'air bon, mais il tire à côté. Faudra m'expliquer des fois, le gars tire à côté de moi, mais pas dessus. Enfin, bref. Bon, j'aurais quand même fait 3 kills. J'aurais quand même fait 0 kills. Ah, on va s'arrêter là, hein, de toute façon. Merci de m'avoir accompagné, Miel. C'est cool. Ouais, bah, avec plaisir. Tu pourras me demander. Tu pourras. Me redemander si tu veux. Ah, pas de soucis. Et puis, donc moi je vous dis, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour les nouveaux qui arriveraient. Et comme je l'ai dit, gros projet qui va arriver avec le nouveau micro. Hein. Je vous en dis pas plus, toujours pas. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. C'était Lexos et Miel. Allez, ciao. Ciao.